Oui, espoir de l'Abi par son libéro maintenant, Abdul Karim Ba, le dégagement, la déviation de la défense du club industriel de Kamsar, et c'est une nouvelle récupération envoyée par le numéro 2 de la formation. Encore un jour à toi. On va centrer dans le cadre du club industriel de Kamsar. Et c'est un ballon qui va finir maintenant sur les jambes de Amara Kouyaté. Amara Kouyaté va centrer pour qui? Pour la défense du club industriel de Kamsar. 1-0 pour le club industriel de Kamsar depuis la 25e minute de jeu sur penalty, par suite à une erreur défensive. Le défenseur de l'AB a fait un croc en jambe sur l'attaquant du club industriel de Kamsar dans la surface de réparation. L'arbitre a indiqué automatiquement les points de pénalty. 11 mètres pour la formation du club industriel de Kamsar. Comme vous voyez maintenant sur les petits écrans, c'est la fin de la première période. Une première période qui voit la victoire du club industriel de Kamsar sur le score d'1-0. La formation des espoirs de l'Abbé en regroupement maintenant pour donner les conseils entre eux avant de sortir pour la deuxième explication. Une deuxième explication qui sera très très dure des deux côtés, quand on sait que la formation des espoirs de l'Abbé ne veut pas se faire avancer par ses adversaires. La deuxième sortie, c'est une deuxième sortie amère. Mais que voulez-vous, c'est les lois du fair play. On peut se perdre comme on peut gagner le match. Donc 1-0 pour la formation des espoirs de l'Abbé. On va se retrouver tout à l'heure dans les vestiaires pour les conseils de guerre. À tout à l'heure. À présent, nous sommes maintenant dans le vestiaire pour les conseils de la première mi-temps, bien sûr. La première mi-temps, les équipes sont écoutées. Alassane Senghor sera le capitaine. Tout à l'heure, c'est le coup d'envoi de cette deuxième période. Le score est de
un but à zéro, puis marqué à la 34e minute. Un coup de pied de réparation, penalty, est transformé par Abou Kennedy Bamboura. Donc le CIK en A. Et puis les espoirs de la B0. Pour le moment, c'est le coup de moi, c'est parti. Voilà. C'est parti. La deuxième période. Une deuxième période très enlevée. C'est un ballon maintenant qui va être la propriété des informations. Du club industriel de Kamsar qui va contrôler. Les espoirs de l'année. Il y avait eu obstruction, nous indique le référé central de cet après-midi. Le référé central, c'est Issiaga Bakura, arbitre fédéral de Conakry. Le comité revanche, c'est Salifou Sila Sinaguen, l'enfant de Saramaya, l'enfant de Bokeh. C'est un coup de pied arrêté pour cette formation de l'AB. Attention, le millionnaire déjà informé va botter. Changer de côté sur la bretelle gauche. La ligne arrière défensive de l'AP va réagir. La tête plongeante à déviation encore. Elle est tombée. C'est le numéro 9. Il va contrôler son. Otto Sariba Bora Alberava Tori a déposé la cabine. On vient par la porte. C'est prêt ou quoi? Il n'a qu'à venir maintenant. Si vous partez. Otto Sariba Bora Ranato Alaba déposé pour la cabine B. Moto Sabi, la Ranato, à la base déposée de la vie. Au bien pour la mascarine.